deux besoins majeurs sont apparus chez MMA. D'abord, en 2014, nous avons souhaité rapprocher les équipes de conception des offres de nos réseaux commerciaux pour mieux valoriser les bénéfices lors de lancement de produits. Fort de cette première expérience, en 2016, nous avons souhaité aller plus loin en rapprochant les agents généraux de leurs clients. Alors, une offre d'assurance, c'est très souvent complexe, c'est 18 mois de travail et on a parfois un peu de difficulté à partager tous les bénéfices de cette nouvelle offre avec notre réseau d'apporteurs. Pour ce faire, on produit des séries de vidéos qui viennent expliquer au fil de l'eau le développement de cette offre. La première raison, c'est la relation qu'on a pu nouer avec les équipes Pitchit, des équipes compétentes qui comprenaient nos besoins de communication et qui ont su nous accompagner avec beaucoup d'agilité pour adapter la solution à l'univers MMA. La deuxième raison, c'est l'efficacité redoutable de la solution qui permet aux chargés de communication de MMA de produire une vidéo en une journée, là où avec une agence, il nous faut souvent 15 jours ou 3 semaines. Et la dernière raison, c'est justement la génération à la volée qui nous permet d'une vidéo produite par l'équipe de la démultiplier sur 1850 points de vente. Alors, le premier cas d'usage auquel on avait pensé, c'est la possibilité pour l'agent de présenter en face à face client un produit complexe par une vidéo simple en 2 minutes. Rapidement, ces vidéos ont aussi été utilisées sur leurs réseaux sociaux pour aller capter de nouveaux prospects. Et dernièrement, certains agents utilisent la solution Pitchy pour produire des spots publicitaires pour des cinémas locaux. Alors, le principe de la génération à la volée, c'était de nous permettre, avec une vidéo, de pouvoir raconter 1850 histoires, celles de chacun de nos agents vers ses clients. Ainsi, on produit le gabarit de l'offre, l'agent se charge de la personnaliser avec l'interface Pitchy. Le premier retour, c'est la satisfaction de nos chargés de communication qui ont gagné en agilité, ont gagné en délai pour la production de leurs vidéos. Le deuxième retour, sans doute le plus important, c'est celui de notre réseau d'agents généraux qui utilisent régulièrement ces vidéos en face à face client et sont aujourd'hui plus de 50% à publier régulièrement sur leurs réseaux sociaux des vidéos Pitchy. Donc c'est ce qui explique pourquoi on renouvelle depuis 3 ans le dispositif Pitchy chez MMA.